Le coronavirus, tout d'abord, impossible de passer à côté car il y a de nouvelles informations importantes. Tout d'abord, parce que désormais, il dépasse l'ampleur du SRAS, autre coronavirus détecté en 2003. Et puis aussi parce que les premiers rapatriements d'étrangers ont commencé. Voyons cela avec Nicolas Gillard. À bord de cet avion, plus de 200 ressortissants japonais fraîchement sortis de Wuhan, la ville foyer de l'épidémie. Des ambulances en guise de comité d'accueil. Le placement en quarantaine n'est pas exclu. Les plus vaillants des passagers, à peine arrivés, sont assaillis de questions en conférence de presse. J'étais très inquiet dans la ville de Wuhan parce que la situation a dégénéré très vite. Pour être honnête, je suis soulagé que le gouvernement japonais nous ait rapatriés rapidement. À ce premier rapatriement s'ajoute celui de ressortissants américains. Ont aussi pris place dans cet appareil, en route vers la Californie, des membres du consulat de Wuhan, en tout 200 personnes à bord. En Chine, où le bilan des victimes dépasse désormais les 130 morts, la lutte contre l'épidémie est devenue une bataille, où des hordes de secouristes, présentés comme des volontaires, mettent le cap vers la ville fantôme dans l'espoir d'endiguer l'épidémie. Nous sommes tous volontaires et prêts à aller au combat. Les patients les plus gravement touchés ont besoin d'être entourés. C'est notre devoir d'y aller. Je suis certain que quand je reviendrai, j'aurai des bonnes nouvelles à apporter à ma famille. Je ne leur ai pas dit où j'allais pour ne pas qu'ils s'inquiètent. Pendant ce temps, à Wuhan, un hôpital dédié à la lutte contre le coronavirus sort de terre comme prévu. La cadence à laquelle sont soumises les ouvriers dépasse l'entendement. Depuis le début, je travaille de 7h du matin à minuit. J'ai une heure de pause. On peut me rappeler la nuit. Les scientifiques du monde entier se mobilisent pour combattre la propagation de l'épidémie. En Australie, ces chercheurs de Melbourne ont reproduit avec succès le coronavirus en laboratoire, une avancée qui pourrait contribuer à la création d'un vaccin.